Si elle est. Enfin, elle est toujours sur le chat. Mais elle fait autre chose à côté en même temps. Mais elle regarde pas la vidéo parce que autrement. Enfin, ça bloque en fait. Donc. Pas gagné hein, je vais pas soigner que Toulouse avec ça. Faut mieux que je garde les persos qui ont de la vitesse. Ce serait trop con de mourir là. Oh ouais, on s'est passé, on s'était de justesse, on s'était pas facile. Et tour suivant j'étais morte hein. Bah tu m'étonnes que je le verrai pas. Elle va monter l'agilité. Ah ouais non mais... Allez on va quand même lui mettre des caracs pour une fois, shape. C'est bien qu'il y ait du boîtier. Ouais, c'est surtout que le boss, ça faisait trois fois que je mourrais dessus, quoi. Ah bon, on va lui mettre ça. La gueule à ses ex. Mais c'est n'importe quoi. Ouais. Alors trouvons la ville suivante. Ville. Monstre. Aïe. J'ai plus de MP moi. Ah bah ça fait du bien de passer le cap. Oh les gosses ils me demandent plus si je suis leur maman. Hey, ça c'est un anti-tardis comme maison, c'est plus petit à l'intérieur qu'à l'extérieur. Qui est traumatisé parce qu'il fait plus peur. Ce jeu est génial. C'est quoi ton livre favori? Hein? Tu devrais le lire un jour. Ce jeu est kiffant. Oh, un marchand d'épée. Bonjour, marchand d'épée. Ouais, voilà, mais bon. De toute façon, c'est le principe du jeu, quoi.
Mais c'est surtout la nana qui avait plus peur de l'épée que de Cthulhu, quoi. Bon bah, comme d'habitude, je commence à mettre... De toute façon, dans le jeu, vaut mieux blinder la puissance de frappe. Hein. Parce que dès que le combat s'éternise, ton armure, elle te protège plus. J'aurais peut-être dû retourner à la Steel Sword, ça aurait fait plus mal. Ah, voilà, ça c'est cool. Ça aussi c'est cool. Alors elle se défend avec des bouquins. Pourquoi pas? C'est pas plus bête qu'autre chose, hein? Bah ouais, non mais c'est génial tout le avec sa groupie, franchement. J'adore, il y a toujours une putain de règle à la con dans les auberges. La ville précédente c'était... Non mais... Par contre c'est gratuit pour les aventuriers et elle a l'air effrayant. Et donc Cthulhu gratos et puis là c'est gratuit pour les aventuriers qui ont pas de chemise. Ou alors j'ai lu de travers, c'est aussi possible. Non mais c'est où que je régène? Ah c'est là! Mais voilà, c'est la même blague en fait. Spécial Today, free room and board for to all terrifying looking adventurer. Ah, ça tombe bien, je suis Cthulhu. Ah bon, au moins j'ai régène. Bonjour créature. Putain. Non mais une invasion d'aliens. Non, ok. Ok, ça me va une invasion d'aliens, ça me va. Après cet instant épique, un peu de repos dans une ville, ça fait du bien. Donc je dois chercher les aliens. Oh, une ville. Oh, un ranch. Ranch, vache, alien. Allons voir les vaches. Mais... Ouais c'est... Non mais le temps passe vite hein, et en 2 heures là j'ai fait 2 donjons. Après je me suis renseigné sur le speedrun normalement, enfin là je joue aussi en normal et pas en facile. Ce qui allonge aussi le temps de jeu parce que les combats sont beaucoup plus durs et puis je découvre aussi le jeu. Ouais, voilà.
Et le truc, c'est qu'a priori, en facile, le jeu est runnable en 1 heure à peu près. Donc je pense que là, de toute façon, je vais finir. Allez, je vais finir le vaisseau alien ou un truc comme ça. Et je vais aller. Ah, c'est fun! Un rayon tracteur! Dans une ferme, le rayon tracteur! Oh putain. Eh, faut que j'arrête les jeux de mots, moi. Et ouais, non, une fois que j'aurai fini le jeu, au moins une fois que j'aurai commencé à me faire la main dessus, là je commencerai à vraiment tenter de le runner. Là pour l'instant, je joue tranquillement en fait, comme quand je découvre un jeu. Mais après quoi. Non, mais il y a aussi le mode facile qui joue beaucoup, parce que le jeu est pas excessivement. Regarde là. Comme tu disais, en 2 heures, en prenant le temps et tout, on a quand même fait 2 donjons. Donc c'est 1 heure le donjon quand tu le connais pas, sachant que je me suis perdu dans des labyrinthes et que j'ai galéré sur le boss précédent. Et je récupère un chat. Je suis désolé, c'est un chat. C'est un gros chat. Suivons le chat! Alors, donc en gros. C'est pas ça que je veux faire. Alors, Umi, elle est bien. Charge, je suis pas fan. Je vais voir ce que donne le chat. Culer un mouton, ouais, tout à fait. Technique, il a une technique qui s'appelle miaou. Voilà, on va voir ce que ça donne le chat. En fait, pour se faire retirer par un... D'accord, en fait, quand tu... Ah, vous pouvez les faire, c'est simple au moins. Un cybercat et des brain squid. J'adore ce jeu. Alors. Ah ça c'est cool, ça peut switcher l'état de santé mentale, c'est pratique. Ok, je sens que les combats ici vont être bien galères. Les combats ici. Bon, en fait, le chat, je suis pas fan. Je préfère avoir l'épée qui me suit. Des sous-sous! C'est bien, les sous-sous. Le sac. En même temps, si t'as envie de t'arrêter là, je vais peut-être retourner en ville tranquillement. Presque plus, ouais, bah laisse-moi deviner, toutes les 5 secondes environ, c'est ça? Voilà, j'ai fait pas mal de réglages, je peux pas vraiment faire mieux. Le reste, après, c'est le PC qui est pas assez... qui a pas la patate.